cette séquence où on se dirige gentiment vers la victoire de Lando Norris, une victoire primée du meilleur tour en course. Et puis, Daniel Ricciardo passe au stand, chose des pneus tendres neufs, et va réaliser le meilleur tour en course alors qu'il est au fin fond du classement, qu'il a complètement loupé sa course. Et donc, ça enlève un point à Lando Norris, qui ne revient même pas d'ailleurs à Daniel Ricciardo, puisque n'étant pas dans le top 10, l'Australien ne peut pas bénéficier de ce point. Et ça a quand même beaucoup réagi du côté des réseaux sociaux, parce qu'on estime que c'est pas légitime d'avoir enlevé un point. Ça fait que l'écart est donc de 52 points entre Max Verstappen, qui reste leader du championnat, et Lando Norris, son poursuivant. Et on sent bien que, ben, dans le sentiment général, on est un petit peu embêté. Ah, sur le coup, je me suis dit, c'est mesquin. Il n'y a pas d'autre mot, voilà. Alors, ils en ont parfaitement le droit. Hein. Donc, les choses sont établies. Il n'y a rien d'illégal, il n'y a pas de malfaçon, il n'y a pas de problème là-dessus. Et Laurent Mekies a d'ailleurs dit dans une interview à motorsport.com qu'il voulait donner cette chance à Daniel Ricciardo de bien finir ce Grand Prix, ces trois jours, où il avait quand même globalement souffert. Et c'était un point final, peut-être même à sa carrière, sur une bonne note. Parce que la rumeur court quand même de son remplacement imminent. Et quand on a vu l'émotion de l'Australien, tout le monde en parle. Effectivement, c'était son. Verstappen a dit, voilà, s'il s'en va là-dessus, on se souviendra de quelqu'un de charmant. C'est vrai. Et c'est quelqu'un de très apprécié, une vraie personnalité. Et c'est difficile d'être aujourd'hui, de détester Daniel Ricciardo aussi. Ce qui est vrai. Donc, il a dit tout ça, on comprend ce que ça veut dire. Il va se faire déposer très vite par Liam Lawson dans son écurie chez Racing Bulls. Mais au-delà de ça, effectivement, ça titille quand même un petit peu parce que c'est une interférence, c'est presque une ingérence dans le championnat. D'une autre équipe. Oui. Ça pourrait se comprendre si ça avait été Sergio Pérez. C'est le coéquipier direct de Max Verstappen. Là, on est sur la deuxième équipe. Qui appartient donc à Red Bull. Et c'est ça qui pose un petit peu problème. C'est que finalement, on a le sentiment que quand on est une équipe, que ce soit McLaren, mais c'est valable aussi pour Ferrari, pour Mercedes et pour toutes les autres, on a quatre voitures à affronter parce que dans le clan Red Bull, il y a Red Bull et il y a Racing Bulls. Alors, ça faisait trois Grands Prix que Norris faisait du gratte-points avec le meilleur tour en course, trois Grands Prix de suite. Et puis là, ça va être un quatrième, c'est un petit peu agaçant, mais souviens-toi, Gilles, Norris s'était battu aussi même contre l'avis de son ingénieur à la fin de certains Grands Prix pour aller chercher ce point du meilleur tour en course en disant « mais chaque point comptera ». Oui, oui. Et puis, on avait vu Verstappen aussi se battre pour une 7e ou 8e place en disant « mais les gars, je me bats quand même pour c'est cette important. Place, j'ai pas le droit de baisser les bras ah, ». Bon. Ouais. Et donc, ça compte. Alors, c'est déjà arrivé, mais par l'intermédiaire d'un coéquipier, alors Sergio Pérez en l'occurrence, au plus fort de la bagarre avec Lewis Hamilton en 2021, j'ai noté effectivement Pérez avait pris deux fois le point du meilleur tour en course à Lewis Hamilton en toute fin de course, vraiment. Et même à Silverstone, il était 16e, ce qui rimait à rien du tout, sauf lui prendre le point du meilleur tour en course. Et puis, c'était arrivé aussi à Sao Paulo, là où il était quand même mieux placé. Il était 4e. Et puis, c'était arrivé aussi une autre fois en Hongrie. C'est Pierre Gasly qui pilotait pour l'écurie B de Red Bull, AlphaTauri, qui avait pris aussi le point du meilleur tour en course dans le dernier tour à Budapest. Il avait aussi là encore la marge parce que pour le faire, il faut avoir à peu près 25 secondes d'avance sur le pilote suivant. On rentre, on chausse des pneus tendres et puis là, c'est facile, il n'y a quasiment pas de carburant dans la voiture. Donc, c'est à la portée de presque toutes les voitures. Bon, mais à cette époque, alors pour Gasly, il n'y avait pas eu de polémique, hein, bah clairement. Non, il est français. Voilà. Et puis du côté de Pérez, c'était assumé, voilà. Sauf que effectivement, on va pas dire qu'il y avait une collusion, mais maintenant ça commence à être, ça nous agace parce que il y a quelque chose de non sincère là-dedans. Je voudrais juste préciser qu'en fait, on n'a pas exactement l'information de savoir si, clairement, Christian Horner a appelé Laurent Mekies en lui disant « envoie un de tes gars pour faire le meilleur tour en course ». Laurent Mekies a dit que ça n'avait pas été discuté. Le fait simplement, hein, pour Daniel Ricciardo de courir après le meilleur tour en course à la fin pour lui offrir ce bouquet final, voilà.
et qui avait encore eu moins de discussions avec Red Bull, ce que l'on croit. On l'a reçu, Laurent Merquies, c'est quelqu'un d'absolument charmant, intègre, droit, et qui est réputé comme tel dans le paddock. Donc on n'oserait pas faire une accusation de ce genre sans avoir une... On est bien d'accord, mais ça nous titille et on se dit franchement, si le championnat se joue à un point près, on saura le trouver. Bon, alors le fait est quand même que ce point-là, qu'est-ce qu'il a comme conséquence? Eh bien, si Verstappen termine juste derrière Norris toutes les courses jusqu'à la fin de l'année, y compris les sprints, il sera champion pour un point. Ah ouais. Si c'est Norris qui gagne tous les grands prix, Verstappen termine deuxième. Et si Verstappen se place juste derrière Norris dans les sprints, d'accord, qui sont espacés d'un point. Ouais, voilà. Donc, c'est important. Donc, ça a sa petite conséquence quand même, mine de rien. Alors maintenant, on se dit, est-ce que à cause de ça, Verstappen va nous faire une Rosberg façon 2016, où à 4 Grands Prix de la fin, on avait vu que si Hamilton gagnait les 4 derniers Grands Prix et que Rosberg se classait à chaque fois deuxième, Rosberg serait champion. Rosberg, c'est pas forcé, il n'a pas pris de risque, il a terminé deuxième, il a été champion. Il a été champion. Bon. Alors, il y a l'exemple du football, pour une fois, on va prendre exemple sur le football, où en gros, un propriétaire ne peut pas engager deux équipes dans la même compétition. Vous ne pouvez pas être propriétaire et du Real et du Paris Saint-Germain et vous engager en Ligue des Champions. Dans une compétition nationale et dans une compétition continentale. Quelque part, on se dit que c'est logique, parce que ça évite un petit peu la collusion. Est-ce qu'il ne faudrait pas en arriver à là en Formule 1, c'est compliqué. Ça veut dire au groupe Red Bull, il faut vous séparer d'une des deux équipes. Alors, ça serait peut-être pas si compliqué que ça, parce que au printemps, ils cherchaient des repreneurs. En tous les cas, il y avait cette information qui courait sur une réorganisation de l'actionnariat après un changement de nom, après un changement de management, un virage à 180 degrés sur toute la technique, etc. Donc, cette équipe faisait sa révolution. Alors, ils n'auraient peut-être pas de mal à trouver un actionnaire indépendant qui couperait les liens formellement avec Red Bull et qui nous empêcherait de penser à ces choses-là. Mais il y a Zach Brown quand même, le patron de McLaren, qui a dit qu'il va falloir changer ça. Clairement, ça ne lui a pas plu, cette histoire du point qu'on a subtilisé à Lando Norris. Il est dans son rôle, hein, Zach Brown.